Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur Endless Donjon. On est avec Damned de nouveau. Salut Damned. Rebonjour, enfin bonjour, c'était hier. Effectivement, c'était même avant-hier d'ailleurs, plus précisément. Tout à fait. Ah oui, c'est vrai, c'est et vrai. Oui. Et c'est du vrai, coup, bah vrai. Merci pour ton 14e mois, Damned. Ouais, j'avais pas renouvelé mon Prime, donc c'est l'occasion. J'ai une notif, j'y pense, hop là. Du coup, ouais, j'ai joué un petit peu en solo pour débloquer des persos et des zones, et toi je crois que t'as débloqué pour essayer d'avancer plus loin dans tes missions avec les persos que t'avais. Ouais, c'est ça, je suis allé assez tranquillement de mon côté. Hein. Donc, j'ai débloqué quelques trucs. On va essayer de se faire le QG ce soir. Le QG, ouais. Et on va viser l'usine stratégique, donc on va être probablement un boss qui va être différent de celui qu'on a vu. Merde, il y a eu un petit raté sur le perso. T'as... Ça a fait prêt, mais c'était pas le bon que j'avais. Il me semble que t'as pas pris celui que tu m'avais dit, ouais. Bah écoute, on va... Non, je confirme. On va rollback au saloon, hein. Désolé. Les chargements sont rapides. Voilà, ça permet de montrer ça au moins. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, paramètres, abandonné. Hop. Bah, score, c'est nul. Voilà. C'est de la merde. Le petit faux départ. Ah bah, en même temps, si on pouvait faire ça et gagner plein de points à chaque fois, bah... Ça irait vite, hein. Ouais, ça serait un peu abusé. Ouais. Genre t'arrives, tu butes les trois caisses dans la zone de base et puis... Tu repars, t'as 1000 points. Allez, c'est parti. Allez, alors, cette fois voilà, tu cliques correctement. Bah surtout qu'en plus mon fusil de chasse de base, alors je sais pas si ça va le prendre en compte en multi, mais tu l'as amélioré. Ouais. Bah du coup on va être tous les deux à l'arme lourde, donc espérons que cette fois encore on tombe sur de l'arme lourde en masse. Je sais pas si tu peux tomber sur des pistolets si tu n'as pas de personnage qui équipe des pistolets. Bah je pense pas parce que il y a trois types d'armes je crois et le troisième on tombait pas dessus. Bah c'est pour ça ouais. Alors la zone est un peu différente de celle où on vient de tomber. Putain il fait noir là. Mais je suis pas certain que ça m'ait mis mon bonus d'armes. Bon tant pis. Alors moi je dois atteindre le deuxième étage du quartier de l'usine stratégique avec une équipe possédant l'intégralité de CPV. Donc il va pas falloir crever. Ou alors faut juste être à fond en PV avant de l'atteindre quoi. Oui. Tout à fait. Pense-y hein. Je vais regarder c'est quoi. Alors je peux faire une mine explosive. Ok. Je peux tirer des missiles à tête chargée sur les monstres proches en passif. J'augmente la puissance des explosions critiques. Ok. Okay. Pourquoi pas. Un mec subtil quoi. Oui. Ah de la lumière et un module. C'est parti. Hop. Ah oui, le fusil de chasse, j'ai pas du tout la même cadence de tir que toi, quoi. Ah, quoique, si, peut-être. Si, moi je suis censé faire plus de dégâts. Non, je m'attendais à avoir un genre de sulfateuse, mais en fait, non, même pas. La zone dès le début, c'est pas cool, hein. Je vais poser une petite tourelle juste là dans l'entrée pour être. Ouais, c'est gagner ça. Un peu de temps. En fait, t'as vu, ça fait une double porte qui amène. Ouais, marrant, ça ouais. Bah là j'avais testé le jardin de piété dans une partie solo et il y a carrément des multi-zones, tu sais les endroits où tu dois amener ton oui. ton robot là pour débloquer ouais. les portes. Tout et bah il y en avait plusieurs dans le même étage quoi. Oh la vache. Qu'est-ce qu'on a fait voir toi ce que t'as. Ça bof, 15% de chance de coup critique, c'est bien. Ou ajoute 40% de dégâts d'attaque aux mines. Et moi j'ai ajouté 15% de dégâts d'attaque à ce héros quand il ne se trouve pas dans une salle avec le robot. Ouais, ça c'est pas mal, ça sera quand même globalement beaucoup le cas. Ouais, allez, je vais le prendre. Je verrai pour moi. Après, en plus, c'était ajouter des dégâts aux mines qui ne sont pas dans la même salle, donc ça veut dire qu'il faut genre je les pose et. Alors, du coup, je vais tester, est-ce que je peux les poser. Genre, je vais les mettre devant la. Non, merde, c'est cette je porte là. Je sais pas du tout comment. Je me souviens plus du tout de ce perso, si on peut faire ça ou pas. Ah oui, ça se recharge super vite en fait. Je peux vraiment miner la. Et, je peux vraiment tu peux en mettre combien... la zone. Ah quoi. Oui, tu peux en mettre que 3 par contre, je crois. Ouais, c'est... Non, hein, je peux en mettre 4. Ah, par contre ouais. Là, ouais, là je peux plus l'activer donc c'est 4. Ok. Bah écoute, ça tombe bien parce qu'on va avoir une vague du coup à glander comme ça. Et ben oui, c'est vrai. Bah attends, on va observer tout ça. Ouais. On va pas tirer tout de suite et puis on va voir ce que ça donne en termes de dégâts.
façon, j'ai pas le bonus comme quoi il faut que je sois pas dans la même salle du coup. Donc, non, autant c'est vrai. Regarder. Par contre, j'imagine qu'il faut qu'il marche dessus. La zone d'aggro semble quand même assez petite. Bah, c'est pour ça, c'est ce que je voudrais voir en fait. Ok. Ça a l'air correct. Ah, on dirait qu'on les active nous aussi. Attends, j'ai tiré dessus ou quoi? Ou elles étaient trop près, elles ont pété en boucle, non? Peut-être, ouais. Peut-être, peut-être. Alors, ah bon, bah si tu poses en direct dans la salle, j'ai envie de te dire. Au pire, tu les poses sur le... Ouais, enfin, attends. Voilà, on va dire pour protéger la tourelle, et puis on y va. Allez, hop. C'est parti. C'est parti. Un artefact rouge réduit de 30% la vitesse de déplacement des héros dans les salles sombres et de 30% la défense des héros dans les salles sombres. Et celui-là, on peut le désactiver. Ah, avec de la brume, ok. Ça, c'est pas cool. Bah voilà, on l'a. J'ai de la brume si tu veux. Ouais, mais on n'a pas de salles sombres pour le moment donc. Non, c'est vrai. On n'a pas le malus. On va se dire qu'avec un peu de bol, on va pas en trouver 2000. Ah, j'ai eu le super événement aussi dans le jardin de piété où tu te pointes, tu. Ouvre une porte et ça te fait ah coupure de courant et t'as des monstres qui sortent de partout et faut courir dans tous les sens. Je l'ai eu aussi, ouais, ouais, c'est bien bien chiant. Ça pourrait être pas mal de l'amener ici en vrai, on aurait un bon poste de défense, hein. La pièce est assez facilement défendable. Et on peut peut-être ouvrir 2-3 portes avant. Hein. Bah, je sais pas, on peut l'amener maintenant, ce sera plus facile. Hein. Oui, on peut l'amener maintenant. Bah écoute, vas-y, lance, je protège devant la. Moins il y a des vagues. Ah, mais mes mines ont explosé toutes seules en fait. Elle doit avoir un timer ou un truc du style. Ouais, bah sinon ce serait. On va pas dire abusé, mais. Ok, visiblement elles ont aussi une zone d'aggro parce que je les avais mis assez proches là. Et là, pourquoi je peux pas en mettre? Je ne sais pas. Je vais voir un truc, mais je me saisis pas encore bien le fonctionnement. C'est ça. Là, je peux en mettre une. Je peux pas en mettre d'autres. Là, je peux en mettre une deuxième. Il doit y avoir un quelconque timer. Ouais, je pense que plus tu joueras, plus tu comprendras, entre guillemets. Yep. On va en poser une en entrée, on verra bien si elle marche. Cela dit, on peut quand même aller vers le nord si tu veux, hein, pour le moment. Oui, bah oui, pour l'instant, de toute façon, c'est le seul endroit défendu, c'est là. J'ai dit, on pourrait ouvrir celle-là, mais combien on a de trucs? On a 2 modules? Ouais, bah vas-y, allez, c'est gratos. Mm. Parce que là, y a plus le robot, alors... Le troll. Je t'avais dit. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, après, on peut quand même le ramener, hein. Oui, ouais. C'est vrai, pareil, tant qu'on a qu'une seule salle, pour le moment, ça reste simple. Puis c'est vrai que l'amélioration, dès le début, là, c'est quand même cool, hein. Oui. Ouais, c'est qu'ils arrivent en masse, les petits, quoi. Ouais. On allait plutôt par là. Pas très sexy le fusil de chasse quand il tire. Hein. Le boum, non. Boum, boum, boum. Boum, boum, ouais. Ça manque un petit peu de classe, quoi. C'est ça. On voudrait une bonne vieille Gatling. Oh oui. Allez, je vais mettre une petite mine là. Après, la Gatling, elle existe, hein. On peut la choper. Hein, donc. Ah bah oui, je sais. Bah, la grosse mythe, elle commence avec une Gatling. J'ai beaucoup aimé la grosse mythe. Sa capacité passive et tout, ses capacités actives, elles sont vraiment sympas. En capacité active, elle se met en boule, genre racaillou quoi. Et je vais poser le. Vas-y. Et elle se met à. Enfin, tu roules en fait, tu peux rouler sur les mobs et tout, t'es invincible, tu roules sur les ennemis, tu leur fais des dégâts. Eh, c'est rigolo ça. Et Zalus Moïsis, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien. Salut. Tu n'as pas dépensé une fortune déjà dans les. Les trucs d'ID Venture que j'ai linké. Mine de rien, la petite mine a fait le taf pour les coincer. Hein.
Allez, il s'approche. Et bah ça va bien, Messis, merci beaucoup. On va bien. Ouais, on a eu un petit créneau là pour se refaire une petite partie, donc on s'est dit allez hop, c'est parti. On a joué un petit peu en solo tous les deux pour débloquer des trucs, donc c'est ça. Alors, il y avait rien d'autre dans cette zone. Alors, ajoute 17% de dégâts d'attaque au héros dans la salle du robot. Ajoute 1 unité d'industrie générée pour chaque porte ouverte. Ah. Ou ajoute 40% de défense au robot, mais réduit de 25% sa vitesse. L'industrie, ça paraît pas dégueu, hein. C'est ça. Après, on peut réinitialiser de la brume, on en a 3, mais bon, l'industrie, ouais, j'ai envie de te dire que c'est bien. Hein. Non, ouais, l'industrie, c'est bien, ouais. C'est un bon petit passif. Hein. Je te rejoins, tu peux y aller. T'as rien dépensé encore? Ah bah tiens, une salle sombre. Ah, y'a un truc de recherche. Ouais, bon bah faut qu'on allume. Vas-y. Hop là. Pareil, je vais poser. Alors peut-être pas une... Ouais. On a quoi comme tourelle? Qu'est-ce qu'il nous propose? Tourelle qui inflige des dégâts lumineux contre... continue à un monstre. Tourelle à quoi portée qui tire? Le lance-flamme. Y'a pas d'électrique? Et l'impulsion... Et l'expulsion électromagnétique. Ouais, on a deux zones de robots, ça a l'air d'être le thème, je pense que de l'électrique. En vrai, on pourrait prendre ça, et prochaine porte ouverte, on pourrait même faire le lance-flamme. Ah, peut-être qu'il va coûter un peu plus cher du coup la deuxième fois. Bon bah go pour l'impulsion, électromagnétique. Je mets une petite tourelle histoire d'aider. Tu veux rester là? Ouais, vous saurez qu'après on peut tenir chacun de notre côté, t'as raison. Bah là on peut, hein. Pour le moment on peut carrément se le permettre. Mm. Alors mon cher Moi, est-ce que t'as rejoué à Deep Rock Galactic de ton côté en solo pour avancer un peu comme on te l'a conseillé? En plus on peut déjà améliorer cette tourelle, parfait, on va foutre. Alors oui, tu nous as déjà vu jouer à ce jeu, non, c'est pas du tout le numéro 2, c'est le même. C'est juste qu'en fait on avait joué aux versions aux bêta privées qu'ils avaient mis à disposition, on avait pu avoir des clés. Et là c'est le jeu sorti aujourd'hui. Hier, c'est ça. Mais on avait des clés pour y jouer 48 heures plus tôt. Ouais, je te laisse regarder les recherches, je pense qu'elles peuvent être sympas, mais. Ah mais oui, elles ont changé, c'est vrai. Ouais, le cadeau surprise, j'ai pas osé le prendre encore dans ma partie, je sais pas ce que ça fait. Bah j'ai l'impression que ça pose des, comme il dit, ça doit poser des tonneaux et faut probablement être là pour les exploser parce que j'ai pas l'impression que les tourelles tirent dessus. Ouais, après c'est du dégât collatéral quoi. Et sinon l'autre réduit la défense, augmente la faiblesse élémentaire. C'est pas mal hein. Ouais, je sais pas trop. C'est pas mal. Après on aura peut-être pas toujours des immenses salles comme ça mais... Tu veux qu'on en relance un du coup ou... Il est pas mal ouais. Ouais on peut si tu veux, j'ai posé une... Allez, des tourelles de défense là, des tourelles électriques, ça devrait largement les calmer je pense. Oh oui, la tourelle a fait son truc et ils sont tous désintégrés quoi. Tu m'étonnes, ici aussi hein. Par contre j'ai l'impression qu'elle fait péter mes mines. Du coup. Ouais, pas de soucis moi, hein, pour refaire du DRG à l'occasion. Oui, c'est vrai que ça va bientôt être les vacances, donc tu vas avoir un peu plus de temps. Putain, ils ont des healers maintenant. Il y avait quelque chose qui les healait, quoi. Oui, j'ai vu ça tout à l'heure apparaître. Bon, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a en amélioration de perso pour toi, tiens? C'est oui, les c'est mêmes. Vrai qu'on s'est fait un petit peu de nourriture. Vas-y, regarde. Hein. Regarde. Bah à mon avis le 15% de chance de coup critique c'est pas mal. Ouais le 15% de chance de coup critique, ouais le coup des mines, chaque mine ne se trouvant pas dans la même salle. Ah oui donc c'est pas que moi faut pas que je sois dans la salle, faut que je mette une mine par salle, ouais c'est... Vu que j'ai tendance quand même à les poser devant, ou alors j'en pose qu'une à la fois quoi, mais bon. Bon bah on va pouvoir ouvrir les portes de... du robot. Allez. Monstre en approche. C'est bien vrai. Foutue salle éteinte.
quoi dedans? Un générateur de kit de soins, donc pourquoi pas, mais... Alors il y a deux armes, je vais te dire qu'on ne verra pas de jaloux parce que c'est exactement les mêmes. Ah, il y a du souvenir ici. Par contre je sais pas si elles valent le coup ou pas, en vrai, ça je suis pas certain. Ouais, c'est bon pour le souvenir, merci. Alors, tu dis qu'il y a des armes. Ah oui, chez le marchand, ouais. Spectro, on en a pas vu des spectros encore. Hein. Non, c'est pour ça que... Par contre, le truc de pousser, il se prend. Hein. Ouais, c'est pas mal, ouais, la poussée. Combien j'ai en poussée, moi ? Allez, hop, je vais la prendre. On peut pas le savoir, ça, je crois. Ah non, mais ça te dit c'est l'arme, si, c'est par rapport à l'arme. Ouais, ok. Bon. Est-ce que je mettrais pas une petite tourelle histoire de défendre ? Hop, comme ça. On verra si on allume plus tard. Yep, ah bah. Décidément. Ah la vache, oui. Bah c'est à côté, hein, je veux dire, il faut y aller, hein. Ouais. C'est le QG, il a l'air d'être particulièrement fourni. C'est ça. Là-dedans. Alors je vais gérer ceux qui sont tout près là. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a qui sont tout près, oui. Je passe dans la grande salle un peu en surveillance. Yep. Parce qu'il y en a qui passent quand même, donc. Je t'appelle si jamais ça part en couille. Enfin, ça fait semblant de partir en couille. Ils ont quand même désactivé des tourelles en haut. Salaud. Merde, c'est moi qui suis. Attends, je fais un petit saut. Vas-y, vas-y, je gère, t'inquiète. L'ordre qui va bien, c'est bon. Ouais. On n'a pas eu le temps de se pointer. Oh, je t'avais pas vu, toi. Tu te caches dans un coin. Et bon, il est en train de retourner à la maison. Ça arrive, hein, fais gaffe, c'est... Ah, je vais laisser passer un ou deux trucs parce que je t'ai monté. Ah pardon, je crois que c'est bon. C'est bon, je les ai gérés, mais je crois qu'il a pris du dégât, non même pas. Juste pile poil. Ouais, ça a l'air d'être la violence de ton côté là. Bah et toutes nos tourelles ont été désactivées, donc ouais. Est-ce qu'il a pris du dégât? Je suis pas sûr. Non, pas sûr non. C'est bon, c'est amélioré. Qui c'est qui reste là? Plus personne. Alors attends, est-ce qu'il a pris des dégâts? Est-ce qu'on peut voir ça? Robot. Ah, il a 149 sur 150 quoi. Ah, il a pris un point, merde. Il a pris un point, ouais, la lose. Et salut canapé, bienvenue sur le live. J'espère que ça va bien. Alors salut, qu'est-ce canapé. Qu'on a? Ajoute un kit de soins à chaque fois qu'une porte de zone est ouverte, ok. Ajoute un de nourriture générée pour chaque porte ouverte. Ou fixe les PV du robot du cristal à 20% s'il possède moins de 20% de PV lorsqu'il quitte une zone, ok. La bouffe, hein. La bouffe. Ouais, je pense que... Allons-y pour la bouffe. On est pas mal, hein. Bon, ici, je pense qu'on serait bien si on posait genre un truc, mais on a vu que c'était quand même un peu la merde. Le truc que je me suis rendu compte, je crois, c'est que en fait, il y avait des tourelles en haut qui pouvaient être améliorées pendant la vague, j'ai pas pu y aller. Elles ont été désactivées et du coup j'ai l'impression que si une tourelle que tu peux améliorer se fait désactiver. Elle perd son niveau. Elle perd son niveau, ouais. Tu peux pas retourner la voir après quoi. C'est pas déconnant hein. Ouais c'est ça. Il y a encore une porte là-bas, tiens. Enfin, même en bas d'ailleurs. Ouais. Il y a deux portes. Bah je pense que la porte de droite elle amène sur celle sur la verte là. On a 4 de brume hein, si besoin. Écoute, c'est parti, ouvrons. Ah bah c'est éteint, comme quoi. Oh, pas un malus dans cette salle? Bah on a un malus parce que parce qu'on a l'artefact rouge là. C'est vrai, oui bah oui c'est ça. C'est ça. Et bah ça va très bien canapé, merci. J'ai quand même à... ça va devenir compliqué là. Ouais bah je pense qu'on est pas obligé d'allumer, par contre aller détruire l'artefact ça peut être une idée hein. Je pense que cramer une brune pour virer le malus Ouais vas-y, éventuellement. Ça coûtera moins cher que d'allumer les salles quoi. Ouais ça réduit notre vitesse et notre défense. Ouais je le vire hein.
Oui. C'est bon. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Exactement. Allez, le danger monte doucement, vas-y ouvre. C'est fait. J'arrive. Après c'est robot. Donc non. Ok, donc du coup celle dans la zone de d'arrivée là. On va essayer. Bah ouais, de... qui doivent se rejoindre hein, de toute façon avec l'autre. Je pense, ouais. Je serais plutôt d'avis de passer par là. Parce tout à que fait. C'est moins direct. Et pour l'instant il n'y a pas de... J'ai pas mis de... Voilà. Ouh, deux coffres. Oh, deux coffres, ouais. Belle zone. Allez, une petite arme. Ok, moi aussi, il y en avait une alors. Oh attends, je l'ai pris, merde, je voulais pas la prendre. Je voulais pas la prendre. Bah j'ai un truc d'électrique. Donc... Pareil, c'est une zapette que j'ai moi. Ah bah c'est celle-là. Ah qui oui fait des... Ah bah si tu l'avais. Moi elle tire des énormes blobs. Bah écoute, je propose qu'on ouvre cette porte vite fait parce que ça fait des ressources et qu'après on rush la porte. Et après on y va. Allez, c'est parti. Est-ce que nos runs avancent bien? Et bah écoute, pour le moment ça va. Là on a avancé un petit peu en solo chacun de notre côté, puis on a réussi à avoir un créneau, donc on se lance. On se lance sur le quartier général. C'est ça. En zone okay. de départ, une. En zone de départ. Une des ouais. la... Enfin une des trois. Bah c'est la troisième, c'est la troisième zone de départ la plus avancée normalement. Donc, je sais pas si on a le niveau, mais on va voir. Bon, je couvre cette zone. Moi je couvre l'autre, je suis donc, carrément devant et je suis en train de tirer en continu. Ouais, avec ta zapette, bah tu m'étonnes. C'est encore pire que le fusil de chasse, mon arme. En lenteur, tu veux dire? Ouais. Par contre, les robots, ils se font défoncer le cul. Ouais, bah heureusement. Allez, on va mettre quelques petites mines derrière et on se replie. Merde, j'ai pris un ou deux jetons quand même. C'est le problème de l'arme à courte portée. Il rentre dans la salle. Si tu veux te replier. Ouais, parce que là j'ai pris quelques dégâts pour rien. Ça arrive en haut. La petite saloperie qui s'infiltre là. Ah parce qu'il fait nuit donc on les voit pas les enfoirés. Eh ouais. Ça c'est moi. Ok bah j'ai activé le mien aussi. Couvre tes arrières. Ils étaient un peu trop près je trouvais. C'est le moment. Ah ça les désactive mon arme en fait. Aussi. Je me téléporte. Ça y est, faut se tirer. Ouais, téléporte. En fait, on peut se téléporter dessus, c'est plus simple. C'est vrai. Ok. Bon, bah ça va. Ça se passe bien. Jusqu'ici, tout va bien. On a quand même déjà deux améliorations. C'est pas dégueu. Bon. Bah, allez. Hein. Ça va se faire, vas-y, les constructions si tu veux. Yep. Alors, on va partir sur de l'industrie hein, pour le moment. Y'a vol. Et bah c'est parfait. J'ai envie de te dire. Hein. Le cul de sec avec deux modules. Ouais, là, on prend. Ça fait plaisir. Ah, ça. Qu'est-ce que c'est? Augmente de 10% la vitesse de déplacement des monstres. Désactivé pour deux brumes. Oh. De 10% là, les monstres sans aucun. Oh putain. Ah ouais, ça pique les fesses. Hein. On va le laisser pour le moment, mais salut toi. Ah, un lance-feu. Un lance-feu et un fusil à rayon. Pour l'instant, on sait pas ce qu'on a comme monstre. Est-ce que ce sera toujours des robots? C'est ça. Il y a des chances, mais c'est pas dit. Ça y est. Ah, c'est pas des robots. Putain, le truc en plein devant là. Ah bah tiens, des spectros. Ah. Ok, ça a l'air d'être de la belle merde ça. Ouais. C'est moi, il passe invisible. Il passe invisible hein. Ah ouais oui, c'est complètement ça. Oh putain l'enfer. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? J'ai plus l'impression d'être la proie que le chasseur. Oui, on peut utiliser ce terme. Je m'étonne. Ok, bah il va falloir une arme hein. Après si tu veux la prendre, j'ai pas de soucis avec ça. Ouais, puis mais... je pense que je vais désactiver la vitesse parce que c'est quand même un peu une saloperie.
Ouais, là. Les trucs invisibles là. Elle coûte quoi l'arme? De l'industrie? Dégâts lumineux et perforants élevés à longue portée, cadence de tir faible. Bah, c'est un. C'est comme mon autre arme quand je vais me spécialiser en dégâts à distance, écoute. Non mais j'avoue le coup des mobs, je l'ai pas vu venir. J'ai pris là. un niveau hein, si tu veux en prendre un. Enfin un perk. Puissance élémentaire, feu, faiblesse, lumineux. Alors 30% de vitesse max, 10% de chance de coup critique à ce héros pour chaque mine présente dans la même salle. Ah, c'est pas mal. C'est vraiment endless les vagues, vous pouvez arriver à la fin et changer de map. On peut arriver à la fin et changer de map, tout à fait. Totalement. Complètement même. C'est d'ailleurs l'objectif, hein. Si on regarde la map globale, tu vois, on commence sur une des cartes extérieures. On peut atteindre le cercle intérieur, normalement il y a un boss, et après on peut encore avancer là et atteindre le noyau. Et l'objectif globalement c'est d'atteindre le noyau. C'est ça. Oh, un truc, on peut avoir de la brume. Ah bon? J'ai envie de te dire que pourquoi pas. Là je l'envoie le robot. Ouais vas-y carrément. Vu que y a une vague. Je vais poser quelques mines pour gérer les coins invisibles là, on sait pas, ça marchera peut-être. En plus il y a le machin en plein milieu qui nous empêche de shooter quoi. Non pas du tout. Bon au moins ils sont effectivement faibles face aux lumineux. Ah, il y en a un qui est passé, il a pas déclenché ma mine. Parce qu'il est. Ah, on les voit en fait, ils font des traînées noires, je viens de les apercevoir. Ouais, puis ils sont visibles sur la map. Ah oui, j'avais pas fait gaffe à ça, tout bêtement. Là, y'en a un qui est en train de contourner le truc là. Comment on fait pour le faire apparaître par contre, je sais pas du tout. Bon, bah voilà. Ah putain, y'en a plein derrière. What the fuck? Ouais, on les voit. Putain, on les voit pas, c'est vraiment de la saloperie ça. Hein. Attention. Mais putain, mais. D'où le dernier? Oh la vache! Oh l'enfer! Sans déconner quoi. Sérieux, ça déclenche pas les tours et tout, mais. Ils sont tarés, c'est quoi ce truc? Tu m'étonnes, attendez, on peut les améliorer là-bas. Allez, hop, cadeau. Oh là 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 là. Ouais, comme tu dis, oh là là. Il va y avoir un truc pour gérer ça parce que. Bah bordel. Ouais. Elle est éteinte la salle, bah oui, évidemment. Ouais, peut-être l'allumer pour vu qu'on a gagné plein de brume là avec le robot. Cramer quelques kims de soins là parce que. Oh oui. J'en prends deux. Tu peux. On ouvre par là, il y a moins que ce soit une petite salle, ça reverra à l'intérieur. Allez, vas-y. Ouais, putain. Une petite salle. Et c'est encore des putains. Il y en a un qui est passé ça. Là. Parce qu'il est. Putain, mais c'est ouf! Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, quoi? Je pensais que toi, avec ton pistolet, ça pouvait marcher, enfin ton tir laser là, mais bah, même pas. Visiblement, non, ouais. Alors, cela dit, on peut faire la tourelle pour faire des dégâts lumineux. Ah bah pourquoi pas. Au moins si elle les voit elle pourra leur faire mal. On va y croire hein. Ils déclenchent pas les mines et tout quoi. C'est vraiment des saloperies hein. Bon je tank de ce côté là on va dire. Tu me dis s'il y a besoin hein. Ouais je te dirais. Y'en a qui passent là. Je crois que ça passe hein, large même. En fait ceux-là l'avantage c'est que c'est nous qui visent donc genre ils avancent et puis après ils nous visent nous plutôt que le robot quoi mais. Ouais bah heureusement qu'ils attaquent pas le cristal parce que c'est déjà bien abusé. Ouais c'est clair. Ah, il est pas mort si c'est. Petite mine. Y'en a un qui est derrière, attention. Mec, t'es où? What the fuck quoi. Le machin, ouais, putain, j'imagine grave, bien hein. L'enfer du bug où le truc il reste invisible, il réapparaît plus quoi.
Je mets une tourelle à luminière dans la salle du cristal du coup. Oh ouais, j'en ai mis une là-bas dans la zone de pop aussi, et je pense qu'on peut en mettre une Ouais, là, j'en hein, mets une là, ouais. clairement. Va pas falloir être radin avec eux, hein, parce que... Oh la vache, quoi. Bon bah... Ah bah. Les robots, bon. Il y a moindre mal, on va dire. On va leur mettre deux impulsions électromagnétiques, ça devrait les calmer. Bah écoute, j'espère, ouais. En plus, ils sont résistants aux lumineux, je crois. Ah, c'est possible, oui. Les robots, oui. Inspecter, inspecter, c'est où? Allô? Ah oui, il faut se mettre sur le truc. Puissance et les moteurs, c'est ça, lumineux, ouais. Donc, ça va vraiment être la mauvaise synergie, quoi. Après, c'est le QG, hein, c'est la zone avancée, Oui, hein. bah Donc, bon. oui, évidemment. On a eu de la science, mais on va y voir quand même. Ouais, bah là, je pense qu'il faut qu'on. Ouais, si on peut améliorer, il faut pas hésiter, hein. Ouais, Du alors pire après comme c'est on que peut, des quoi. nouvelles, on n'a pas de... Non, bah, ouais, alors on a. Pour l'instant, on a ce qu'il faut pour tenir les deux types qu'on a vus. On trinque pour Zmosis? Oui, allez. À ta santé. Bon, c'est que de la flotte, mais c'est mieux que rien. Tout à fait. Ah, pas d'alcool quand on live. Oui, jamais pendant le travail. C'est ça. Mais dis pas que c'est une zone de spawn. Non, ça va. Canon lourd à longue portée pour contre les robots, je vais le prendre parce que C'est le même que l'autre le qui... mien, ouais. Je dirais en tout cas. Ouais. Ouais, quoique, pas tout à fait. Ah oui, non, toi Donc il c'est là. charge alors que moi je balance un gros globe. Ok. Et salut Kazar0, bienvenue sur le live. J'espère que tu vas Salut bien. Kazar. Ah bah tiens, regarde qui c'est qui est là. Alors à la base je t'aurais dit ouais non mais vu que c'est à côté bah si. C'est à côté, ouais, les zones sont loin, ouais, carrément. Tu l'as Ah activé? merde fouille. Non Ah pas du ouais, tout. ok, bah Mais vas-y, je couvre, fonce. mais j'y vais ouais. Let's go. À l'enfer, putain. Ouais l'enfer ouais. Alors, pour l'instant, ça apparaît de partout. Très bien, fantastique. Putain, va falloir switcher d'armes, quoi. Ils font des rayons à distance maintenant, les ennemis. Quelle saloperie. Vous êtes sérieux? Ah putain, ça c'est du robot. T'es qui toi? Bon, ok. Ah mais genre il y en a qui sortent de derrière, c'est les mecs ils ont fait tomber jusqu'au cristal et après ils Ah ouais, c'est reviennent. ça. Mais c'est des robots rendus spectraux ces trucs ou quoi là? C'est quoi ce bordel? Tire! Tire! Je me soigne. Ouais, là. Ah c'est l'enfer les lumineux quoi! Sérieusement? En Ouais, plus. c'est vraiment de la merde, hein. J'arrive même pas, je les confonds avec toi, plus avec ton skin là. Ouais, je crois que c'est fini, je n'en mettrai plus ce skin du coup. Jusqu'à là, ça allait parce que j'avais jamais rencontré ces trucs, mais Ah là. mais les machins ils m'attaquent par derrière, bande d'enfoirés. Je vais poser quelques mines, ça aidera un peu. Alors pourquoi c'est pas fini là? Ah mais il y en a plein qui sont invisibles autour du cristal quoi. Bon si on l'améliore la tourelle, elle a pas le truc pour voir les ennemis. Non, même pas. Ah putain, j'avoue. Oh la vache! Bon bah je reprends un kit de soins. Ah ouais, ça déconne pas quoi. Putain, mais c'est. Ils vont les nerf ces trucs, j'espère, parce que. C'est un peu abusé, je trouve, hein. J'avoue, waouh. Si tu veux te soigner, vas-y, j'ai repris un kit de soins. Non, c'est bon, Ok. je me suis déjà fait un petit soin. Ok, on a une brume de bonus. On va quand même aller voir ce que peut faire notre petit truc. Oui, c'est vrai, vas-y. Bah écoute, ça va, 15h0. Là, du coup, on est un peu en train de découvrir les nouveaux persos, là. Enfin, les nouveaux mobs, on va dire plutôt. Ouais, quel Alors, bazar, 20% comme de disent moi. vitesse ou 30% de soins du robot pendant la collecte. On a pas mal des collectes, pourquoi pas. Ou alors 40% de défense, mais il va 25% moins vite. 20% de vitesse pour toutes ces actions. Dont ouvrir les portes et tout, je pense que c'est pas mal, hein. Oui. Est-ce qu'on n'irait pas ouvrir cette porte en passant par l'autre côté? Je plus quoi.
C'est un peu loin, donc bon, on va profiter qu'on est en sécurité, mais... En espérant qu'on flingue pas nos modules, mais mieux vaut péter les modules que le cristal, hein. Ah putain. Et oula, bonjour. Un robot. De l'électrique. Ouais, oh, l'électrique. C'est ça. Hop. Hop. Une arme lourde d'acide, mais bon... Bah ouais, pour le moment... Je dirais que j'ai toujours celle-là, elle est peut-être mieux, mais... Ouais, elle est mieux quand même. Après, c'est la cadence, quoi. Ouais, bah ouais. Mais quand même. Je pense que ce sera mieux contre les invisibles, là. Ah, il y avait une porte encore, là. Ouais, ouais, bah on vient de la débloquer, donc... Ouais, ouais, je l'avais même pas vu, tu vois. Ah. Ah bah voilà, sorti. Bah du coup on aura peut-être tout intérêt à ouvrir cette porte là, ça fait quand même un raccourci hein. Oui. Et peut-être éclairer là pour y voir un peu. Oui. Je plus soi. Comme ça au moins on va peut-être pas poser des tourelles mais au moins on verra les mobs. Ouais, éventuellement une sapeuse pour réduire leur défense parce que je sens qu'on va finir dans cette pièce. Ouais mais c'est que c'est pas comme dans Dungeon Vision là, souviens-toi que c'est dans la zone d'effet hein. Ah ouais, putain chaud, c'est vrai ça. Bah on a tout ouvert si bon, tu bah... veux lancer. Vas-y, ouais, je couvre derrière, je te laisse couvrir devant. J'y vais avec confiance, ou pas. Et salut Gaelden, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien. Salut Gaelden. Au moins il a ses 20% de vitesse pour se tirer. Alors là, Zmoisis en fait... Ah. Oula, j'ai vu quelque chose bon. Passer là. C'est rien, c'est rien, c'est rien. C'est qu'il y a 2 ans. Bref, vas-y. Ouais, Zmoisis en fait, le principe c'est que... A la fin du niveau, il y a une porte que seul le cristal peut ouvrir. Et donc il faut qu'on l'envoie là-bas sur son petit crabby là. Et une fois qu'il est arrivé là-bas, il va ouvrir la porte. Et pendant tout ce temps-là, il y a des vagues qui arrivent en boucle et il faut qu'on tienne quoi. Ça commence à passer, tu peux te replier. Oui. C'est la merde, il n'y a plus de tourelle en bas, dans la zone des robots là. Tu peux plus les réparer. Bah le problème c'est que moi je suis nul pour réparer donc ouais, je dis, à peine je remettais de la vie qu'elle ressautait bon. Quoi. Gère les lumineux de l'autre côté, je te laisse gérer avec l'électrique. Si ça passe en tout cas. Pour le moment ça passe. Alors, en plus ils mettent des bonus aux leurs copains. Non quoi. Ça va. Non ça va pas Gaelden, bah écoute, je suis bien désolé. Je compatis. Je compatis, si je te jure je compatis. Atteignez le mont de charge après avoir visité tous les quartiers du premier étage. Ok, je vais bloquer ça. Oh. Par contre, je crois qu'on n'est pas full life là pour l'usine stratégique. Mais je crois que c'était le niveau 2. Il me semble que t'avais dit niveau 2, ouais. Bon, cristal indemne, on n'est pas passé loin, mais... Ouais, c'est pas passé loin, ouais. J'ai l'impression d'avoir le choix entre A et A. Dakota qu'on descend. Ah ouais, de toute façon, je crois qu'on en a qu'un là. Ouais, ouais. L'usine stratégique, on a nos deux quêtes là, donc c'était le but. Finalement, la dernière vague, c'était pas la pire. Bah ouais, ça va en fait, ça dépend beaucoup de la. De comment est tombé le niveau quoi. C'est surtout que oui, là on avait le cristal qui était à 2 salles de la sortie, donc ça va. Il était à 2 salles et toutes les vagues étaient derrière à une exception près, ouais. Donc. Mais donc ouais, ça peut ça partir va. Plus en sucette. Moi en solo, ma partie solo, je l'ai perdue parce que. Il s'est coincé dans une porte. Le cristal. Ah oui, tu me l'as dit, c'est vrai. Et alors le temps que, en plus en solo, du coup, tu contrôles les deux persos, donc le temps que je comprenne, je me dis putain, faut que je lui dise de me suivre pour le débloquer, puis qu'après je cours pour lui redire d'aller où il fallait, pendant que le PNJ essayait de faire ce qu'il pouvait. Enfin, c'était ingérable. C'était le drame. Il est pas mort, hein, mais bon, il avait perdu tellement de vie que c'était la fin de run, quoi. Ça précipite la fin de run, oui, tu m'étonnes. Et pendant ce temps-là, en plus, les ennemis continuent de se stacker, donc. J'aimerais bien ouvrir les trois pour oui, voir oui, si on a oui, pas oui, un module. Oui, ouais. Oui, 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 totalement d'accord. Bah ah, voilà. Bah voilà, parfait. Je vais repartir sur de l'industrie parce que je sens qu'on va faire de la tourelle. Si peu. Ah bah voilà. Un petit bonus de science. Alors ça, souviens-toi, parce que si jamais il faut le... Il y a une coupure de courant, c'est là qu'il faut aller. Et... Ouais, ouais, tout à fait. De toute façon, il n'y en aura pas tant qu'on n'en aura pas trouvé au moins 2, je crois. Saloperie, il en restait un qui pose des trucs explosifs là. Ah. Alors ça c'est de l'acide, tu vois, ton acide va...
pourrait être utile finalement. C'est ça. Mais du coup, je comprends pas, parce que ta faiblesse est puissance élémentaire, mais ça veut dire quoi? C'est la puissance élémentaire qui est mieux ou. Non, pour moi, la puissance élémentaire, c'est le type dont ils sont, et du coup, c'est ce qui est le moins fort face à eux. Et D'accord, probablement les bah c'est. dégâts qu'ils font si jamais on a des faiblesses face à certains types de dégâts. Bah ouais, je pense ça aussi, mais j'ai un doute, mais. C'est ce qui me paraît le plus logique, hein. Je pense, ouais. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Non, non, c'est totalement ça. 7 heures de sommeil en 2 nuits. Ah ouais, je compatis les gars, c'est un peu short, ouais. Ouais, j'en suis là aussi, moi. À peu près. Mais toi, c'est par choix. Oui, on va dire. C'est pas vraiment par choix, mais. Oh, une, enfin, salle un de, une salle de cristal. Pour de l'industrie. Ça va péter, demi-tour. Yes. Bon, une téléportée, c'est un peu vite. On a mis aucune tourelle du coup. Enfin, si juste le truc qui ralentit, qui a fait. Ouais, mais là, s'il y a qu'une vague, je vais te dire, bon. J'ai l'acide donc. Ouais, ça devrait passer, je pense. J'ai eu cru voir que le lumineux faisait quand même mal, et tant qu'ils sont dans la zone là de la tourelle. Il n'arrive pas à le percer lui. Pas cool. Ah si, il me semblait bien. Hop, petite mine. Attention au machin explosif rouge qui pose par terre. Hein. Oula. Ça c'est la merde ça. Saloperie. C'est une vraie merde ce truc. Ok. Poser quelques petites mines pour le plaisir. Ah, la salle en bas là, bah, 5 portes. Bah on va poser le cristal dedans, mais peut-être si on se met tout de suite, c'est ça la question. Bah de toute façon pour ouvrir les portes on est obligé, mais Ouais, mais on a quelques autres portes à ouvrir, mais je pense qu'on peut aller les ouvrir après du ouais coup. Je pense qu'il serait plus en sécurité là quand même, ouais. Allez. Ouais, le mec, non, c'est moi qui aurais dû faire vite à la si tu coup. Ça va, ils vont pas popper. Ouais, le truc avec le bouclier là, il est, c'est un peu une saloperie. Putain, le rush, enfoiré. Ouh, la petite mine, il a pas aimé par contre, ça c'est cool. Merde, ça faut le choper. Bah, après, faut le choper par derrière, hein, clairement. Hein. Voilà. Petite tour améliorée si tu veux. Voilà. Hop, petite mine. Ah, je peux plus remettre dessus. Ça pète. Enculé. Ah putain. Ah la vache, c'est la merde, le sort. Ouais. Je pensais poser une mine, mais je pouvais pas en fait. Ah ouais. Ça nettoie quand même. Hein. Ouais. Le missile à tête chercheuse sur tous les ennemis là, quand ils sont tous en mode tout petit là. Ça fait quand même plaisir. Y'a du monde! Il fait quoi le putain de cristal là? On peut reculer un peu hein! Oui! Ça nous donne de la. De la latitude pour contourner les enfoirés. Voilà, exactement. Merci d'avoir complété aussi magnifiquement mes mots que je n'avais pas. Bon, j'avoue que des petites tirées d'acide ça aiderait, je pense. Les ennemis ouais. Par vague sont adaptés au nombre de joueurs ou c'est plus facile à plusieurs? Bah, je pense que c'est plus facile à plusieurs, principalement mais... parce que tu maîtrises chaque perso quoi. Alors qu'en ouais, solo, tu peux switcher d'un perso à l'autre, mais en vrai, il... le perso géré par l'IA te suit quoi en gros. Et tu peux lui dire, bah reste là, me suis plus, donc il tient une zone, mais il fait pas plus quoi. Une petite tour à l'histoire de. Là c'est fermé de toute façon. Il y avait une petite au début là. Ouais. Ok. Ah. Ouais. Bon bah tant pis. Hein.
Prendrai pas le risque, hein, là, Ah, pas tout les de suite. Ou alors salauds. en passant par là éventuellement, mais. Ouais, en passant par là, on peut ouvrir le chemin. Ouais. Vas-y, on va déjà ouvrir celle-là, on va voir si c'est effectivement ça se rejoint. Oui. C'est éteint. Il y a un Ouais, module bas. on va Éclaire, l'éclairer. vas-y. Je te laisse faire. Je mets un peu d'industrie pour booster. On n'a pas de tourelle efficace, il va falloir qu'on booste. Et ouais, là, on peut lancer, là. Let's go. Je vais les défendre. Je défends de l'autre côté. N'oublie pas qu'il y en a, ouais, qui vont arriver derrière toi. Hein. Je te file un coup de main parce que... Visiblement, ils vont direct par là. Ah, il y en a un petit qui est passé, enfoiré. Ouais, bah, j'ai plusieurs petits, moi je suis un peu dans la... Voilà, c'est bon, dans la sauce j'allais dire. Là, ouais, faut que je les réattire vers nous, voilà. Attention, ça va arriver derrière toi par contre, ouais. Faut vraiment qu'on... Ok, je vais voir le robot parce qu'il va nous suivre ce con. Et je le renvoie à la maison, viens là. Et je reviens, Vas-y, t'aider. je tiens la ligne. Ouais, j'arrive. Ils vont commencer peut-être à prendre l'autre chemin là. Au moment ça va. Je te laisse gérer avec l'acide pour gérer ça parce qu'ils vont arriver de Ouais l'autre ouais ouais. côté. Je vais gérer le flux qui se sépare en deux. Non mais tant qu'ils sont en ligne ça va. Bon sachant faut que je recule un peu aussi quand même parce que. Ouais ça arrive de l'autre côté ouais. Ouais, ouais bah ça y est. Ok j'arrive puisque l'autre côté il y en a plus. Il y en a un petit qui est passé, c'est bon. Ouais. Ah oui, bah le générateur, désolé pour toi, mais. On va faire au mieux. Oh, il se fait défoncer le pauvre. On peut peut-être le sauver. Voilà. Bon, il avait pris un petit peu cher, mais ça va. Ah, on peut pas les réparer les générateurs. Non. Ils s'attaquent pas aux modules dans les pièces. Bah tu vois que si. Des fois, s'ils sont sur le chemin, enfin il y a des ennemis qui sont spécifiques pour Oui, aller voilà, attaquer c'est les ça. modules. Et sinon, des fois sur le chemin, ils attaquent. Mais il y en a qui vont prendre, ils vont aller cibler spécifiquement les modules. Quoi. Comme dans DOTE, pareil. Exactement. On a quoi comme amélioration du coup? 40% Ah de oui, c'est vrai. défense contre 25% de vitesse, 20% de défense ou 25% de défense lorsqu'il est dans un emplacement. 20% de défense globale. Oui, c'est bien, ouais. Tu crois que c'est une petite pièce ici? On y croit ou c'est de la merde? J'en sais rien, ouais. Il n'y a pas de dans ce placement de tourelle devant en fait. Enfin, quoi, tu me diras les autres, pas grand chose non plus. Comme tu veux. C'est tendu, hein. Allez, on prend la petite. On prend la petite. Tant qu'elle est toute seule, celle-là. Eh ben non. Mais bon. Pas obligé d'ouvrir plus, hein. Ouais. Tout de suite. C'est d'ouvrir un peu par là. Quelles sont les différences fondamentales avec DOTE? Bah, les vagues apparaissent pas par ouvertures de portes, elles apparaissent régulièrement. T'es actif dans le jeu, t'es pas du tout passif. Oui. T'es actif dans le jeu, ouais, c'est un gros changement. C'est pas du tout un auto-battler, faut viser, faut tirer, faut changer d'arme, choisir les armes qui sont les plus efficaces, etc. Et même si t'ouvres pas de porte, à partir du moment où il y a du danger, comme on le voit à droite de la minimap parce Là, qu'on a tu ouvert des vois. portes. Et ben, si on reste à rien faire et qu'on discute avec vous pendant 2 minutes, il y aura une vague qui va pop. Ouais. Clairement. Voilà. 2 minutes, façon de parler. Hein. Après chaque vague, on passe en sécurité et à partir du moment où on réouvre une porte, on repasse en danger et là ça se remet à popper. Et Plus on fait de ouais. bruit, Plus plus on ouvre ça de portes, plus ça pète. va arriver, ouais. Enfin, il y a des chances Alors, que ça arrive. 3 secondes le temps de récupération des mines. Ouais, c'est bon, excuse-moi, je vais le prendre. Enfin, de toute façon, on a bien avancé. Ouais, t'inquiète. Tu peux te faire Pas de plaisir soucis. aussi. 50% d'attaque à la compétence active, ouais. 15 points de dégâts renvoyés à ce héros lorsqu'il est touché. Ouais, c'est pas mal le petit retour de bâton. Putain, on a vraiment pas de recherche là, sérieux? Bon bah l'interrupteur doit être dans la dernière petite salle. On va prendre Ah non, ça il y a quand deux même. portes encore. Ah tu vois, danger là, ça va péter là. Ouais, ça va péter clairement. C'est pas du tout cette salle là, c'est celle d'à côté. Si on pouvait protéger le module de nourriture, ce serait Ouais, cool. ouais, ouais, ouais. Ben, j'y vais. On a un peu d'industrie, je vais remettre une petite tourelle à la sortie là.
pareil, j'en mets juste dans ce tunnel là, puisque de toute façon c'est obligé de prendre cet endroit, ce chemin là. On n'en a pas débloqué d'autres, hein, c'est bon. Poser quelques mines. Crever. Ils sont chiants à viser les petits là. Ouais, je suis d'accord. Je suis obligé de me replier dans la salle du générateur. Non, c'est bon, je peux avancer un peu. Ah putain! Ah la vache, mais des saloperies quoi. Ils sont derrière un tank là. Rien faire. Non, le cristal, putain, je peux pas tirer. Waouh, quelle violence. Oh ouais, putain, il y a plein d'améliorations, heureusement. Allez, hop, hop. Je laisse la faire là. On améliore les tourelles. Allez, on voilà. Sent quand on n'a pas l'équipement pour, c'est compliqué. Hein. Bah on subit un peu. Ouais, c'est clair. Bon. Ici, on ouvre là. Tu veux ouvrir l'autre là, ouais. Non, non, j'arrive. Non, il donnait plus d'industrie, ouais, lui, il est pas mal, mais. J'avais pas vu. Ok, vas-y. Ah, sa mère. Bon, il y en a un là. Tu vas à l'autre. Ouais. Ouais. Il est où ah, déjà putain, il y a des robots qui arrivent là en masse, du coup. Vas-y, je tiens. J'y suis, c'est fait, moi. Okay. Ça va. C'est cool, c'est que les mobs disparaissent quand il y a ça. Oui, ça s'arrête d'un coup, ouais. Bon, là on a de la recherche, et là on a des robots, donc les robots c'est cool parce qu'on a ce qu'il faut. On va mettre un petit peu de quoi s'en occuper. Voilà, ça devrait tenir avec ça. Et recherche, on a l'amélioration 2 des lumineux, même si on en a plus là tout de suite. Ouais. Ou l'amplificateur qui augmente les dégâts d'attaque des héros, du robot cristal et des tourelles dans la pièce. C'est dans la pièce, c'est pas dans la zone, dans la zone d'effet. Dans la pièce, dans ouais, la pièce. Ça c'est pas mal ça. Ouais, je suis d'accord de le prendre moi. Bon. Enjoy. Attends, putain, 5 secondes c'est vraiment pas long quoi. Ouais, c'est clair. J'espère que les robots vont pas passer, parce que je vois qu'il y en a beaucoup quand même. Ouais. Je garde un œil dessus. Il y en a un qui est passé. Il est mort, c'est bon. Non, il est pas mort. Ouais. Ok, bon, je vais tenir les robots avec mon électrique. Vas-y, je tiens le couloir, moi, de toute façon. Comment tout ça se passe bien. Putain, il me pose des gros tanks là en masse là. Voilà. Ok, pour la peine, je vais aller en poser un là. Ouais, pareil, j'en pose un dans un petit coin là. 10 quand même ce truc hein. Eh oui. Bon. C'est chaud du fion hein. Je serais pas contre qu'on trouve une sortie, qu'on se barre, mais... Bah de toute façon, elle doit être derrière les portes fermées à clé, mais avant faut qu'on... Ouais, il trouve l'endroit, ouais. Qu'on trouve l'endroit. Alors attends, j'ai vérifié ma quête, c'est bien quoi. Ouais, il faut avoir l'intégralité des PV. Bah tiens, il y a l'interrupteur. Ah putain, les enfoirés. Mais bon, il y en a encore d'autres. Le petit truc explosif à l'acide, là, qui fait plaisir. Allez, l'interrupteur. Hop. Est-ce que dans la recherche on pourrait pas en refaire une autre là? Attends, j'aurais dû faire avant d'ouvrir, on est con. Oui. Genre un petit truc acide là, ça serait bien. Alors, on a
La tourelle niveau 2, on a la sapeuse niveau 2 qui réduit les dégâts dans la... Enfin, qui augmente Ouais. la faiblesse élémentaire là. Et on a le fumoir, le truc qui fait des dégâts acides de zone. C'est pas mal. On met quelques tourelles là sur la nouvelle zone et puis on tente. Ouais, je m'en occupe. Tu me dis quand t'es bon. On va mettre un peu de d'électromagnétique en attendant. Un petit truc qui booste quand même, c'est mieux. Et truc de faiblesse, ça va être un peu compliqué, je pense. Je vais rajouter un peu d'électrique pour parce que ça devrait tenir les robots quand même normalement. Si les robots n'a pas à s'en occuper, ça va aider. Totalement. Bon, quand tu veux. C'est bon. Tu gères les deux du haut, je gère ceux du bas. Totalement. Attends, c'est bon. Je devrais pouvoir gérer, je pense, même avec une arme. Pour l'instant, il n'y a pas de pop depuis la zone. Ah si, ça y est, ça vient. Merde, il y a un robot qui a réussi à passer. Ah, c'est une grosse saloperie là. Pas crevé? Ah putain, le tank qui les a permis tous de passer là. Il faut que je me TP, hein. Ah putain, les petits. Non, c'est bon, c'est géré. Y'a plus rien dans cette zone là. Il reste un gros robot là qui fait je sais pas quoi. Ouais, il attaque nos petites tourelles, je pense. Ah oui, c'est une tourelle de tir en fait. Genre il se pose et il balance des... C'est ça. Bon, Bon. bah ça a dû gérer, hein, apparemment, parce que. Bah j'ai dû en tuer quelques-uns qui foutaient la merde. D'accord. Du coup je propose de les remplacer par des fumoirs, hein, pour deux. Bah ouais. Ça coûte Voilà, que deux? hop. Ça coûte que deux de les remplacer. Ouais. Oui, bon, bah. On va On est devoir encore on est ouvrir parade à ce quelques point-là, quoi. portes. Ouais, non, là faut qu'on tienne, surtout qu'on va devoir ouvrir des portes qui nous éloignent. Je fais pareil. Je fais pareil un peu plus haut là. Salut Poslovitch, bienvenue sur le live. Eh oui, bah Hey, salut Nico. l'originalité du titre, clairement il joue sur les similitudes, hein. Il n'y a pas trop de débat. Alors faut pas qu'on ouvre deux portes par contre, je pense. Tu ouvres l'autre? C'est plus safe d'ouvrir l'autre, t'as raison en même temps, hein. Ouais, je pense. Non, celle où t'étais, je pense plutôt. Attends, oui. Alors, les ressources sont complètement partagées dans celui-là. Même les kits de soins, tout est partagé. Et ça se joue à 3 maximum pour le moment. Ouais, non, c'est 3 max, ouais. Ah, Car ça se joue à putain. 40. On n'est pas encore à la sortie, hein. Oh là là, il va falloir amener le robot là au milieu des ennemis. Ouais, Oh! ça va être Ah mais une non, mais il y a un grosse galère. raccourci là, il y a un raccourci là. Bon, ok, ça va être un peu... Ah, ça va être chiant mais jouable. Ouais, marchant pas ouf, hein. Enfin, pas ouf, si. Là, m'a fait mal, mais Est-ce qu'il y a de l'acide? Non, c'est deux zapettes. Ouais, non. non, c'est deux zapettes, donc ouais, Non, non, c'est c'est deux pas... zapettes, ouais. Est-ce qu'on Bon, ouvre quand même bah... plus bas du robot ou non? Comment ça? Là, la pièce à gauche du robot, il y en a une. Ah oui, il y a plus bas. Ouais, on peut essayer. Là-bas. C'est vrai, j'avais pas vu. Tant que le Bah, vu qu'on s'en danger va vers le haut, de toute façon. est pas encore en catastrophe. Ok, il y a le soin, Du quoi. soin, j'en prends un peu. Ouais. Surtout que s'il faut qu'on booste nos PV avant la zone Ouais, finale. on a presque pu en prendre deux, hein, je pense. Ouais, bah vas-y, je te laisse ouvrir la porte raccourcie, je vais en reprendre un deuxième. S'il est aussi chaud que l'autre boss, moi l'autre boss j'en avais pris 4 ou 5, j'ai quand même crevé. Oh, c'est bien. J'ouvre l'autre porte et puis go le robot. Ouais, vas-y. À l'aide.
Allez, je vais essayer de tenir plus ou moins ce qui est derrière ou ce qui est devant, je sais pas encore. Je pense que ça va péter là, qui vont arriver. Attends, je vais venir t'aider parce non, que... Ça va, non ça va, ça passe. Non mais pardon, les tourelles améliorées, je vais aller les améliorer, ça ne pourra que nous aider. Crève. Ah putain, il est hyper costaud cet enfoiré. Gros là. On retourne dans la salle parce que c'est passé là-haut. Hop. Vas-y, je gère les robots, plus ou moins. Là, il y en a une améliorée. Hop, on répare au passage, même si c'est pas là qu'on brille. Plein de. Ils ont pété mes deux tourelles, quoi, les bâtards. Ok, il n'y a plus de tourelles de ce côté-là, donc du coup, ils se passent. On va les tenir. C'est bon, il est en train de se poser. Aspect, nickel. Il déconne pas mal le son, comment ça, Poslovic? Alors, on m'a dit dans la VOD que Damned avait des problèmes de son, mais moi j'ai absolument rien entendu, donc Et puis, ouais, personne nous l'a dit en ça live. Ça chope. Ça chope. Le son du jeu, pas nos voix. Ah, donc ce serait le son du jeu qui déconne cette fois? Merde. Chier, ouais, c'est super. C'est chiant parce qu'en plus on n'a pas de retour là-dessus. Après je peux mettre mon portable. Non bah après c'est peut-être mon PC qui galère hein, parce qu'après tout le jeu est quand même récent et je dois être en élevé. Je vais passer en moyen pour voir. Voir si c'est. Ah oui, alors je confirme, ça crache totalement le son, ça sature en fait. Ça... Ouais enfin, alors que pour. Il est saccadé quoi, le son. Ouais. Pourtant, je suis pas du tout de problème sur mon retour. On va voir si, si c'est mieux comme ça. Je laisserai si je tire avec ma boule, c'est mieux ou pas. D'accord, ça glitch, dit Gelden. Ça a l'air pas trop mal. Là. Ouais, bah après, y a pas de miracle, hein, ça coûte des ressources, hein, donc. Ah oui. Le jeu est récent, je live, je record en même temps, ça pompe. Ouais, hein. Ça commence à. Ouais. Oula. Alors, réduit de 50% la défense des tourelles, on ajoute 100% d'esprit au héros et on ajoute 110% de vitesse. Ouais. Ouais. Oh, un petit souvenir. La défense des tourelles qui est un peu embêtant, mais bon. Ouais, c'est quand même pas mal les tourelles qui tiennent, mais on va voir. On va arrêter d'ailleurs le premier épisode de VOD là, si ça ne te dérange pas. Non, dépêche-toi juste parce que le avant que le danger monte. Prends ton souvenir. Dépêche-toi de prendre ton souvenir. Donc on arrête le premier épisode de VOD là, on va vite parce que le danger monte. J'espère que ça vous a plu, désolé, bah du coup s'il y a des glitches de son, on va espérer que ce sera mieux pour la suite. Et bah quand vous regardez en live, n'hésitez pas à nous dire hein, s'il y a des trucs qui déconnent, on peut corriger en direct, c'est quand même vachement mieux. Merci à toutes et à tous, et à très vite pour la suite.